salut. Bon, concernant les élections présidentielles de la Guinée, vous m'avez bien entendu ici. Quand le coup d'État là s'est bien fait, depuis la date du 5 septembre l'an 2020, la CDAO a envoyé le courrier au colonel Mamadi Doumbouya d'organiser les élections en 6 mois. La date là commençait le 5 septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Donc, ils ont fait leur manigance, ils n'ont rien dit avec ça. Tout le monde a entendu ça ici. Maintenant, après ça, la CDAO a envoyé un autre courrier de leur donner la date de 24 mois. Les 24 mois, la date de janvier l'an 2022. La date là commence le mois de janvier l'an 2022. C'est-à-dire la CDAO a écoulé de septembre à décembre. Ils ont piétiné ça. Sans l'avis de la population guinéenne, la CDAO a fait l'erreur là, impardonnable. Je tire leur intention, l'intention sur ça là. Bon, parce que tout ce que la Guinée va traverser, ça va, nous allons pointer doigt sur la CDAO. Oui. Donc, le deuxième courrier datait de janvier l'an 2022 d'organiser les élections. Donc, depuis le mois de janvier l'an 2022, vous m'avez entendu, je suis sortie, j'ai parlé. Encore quelques mois, je sors encore, je rappelle colonel Mamadi Doumbouya. Tu as reçu le courrier. Colonel Mamadi Doumbouya, tu as reçu le courrier. Walaikum salam. Tu as reçu le courrier. Ne garde pas le courrier dans ton tiroir. On t'a donné 2 ans, 24 mois. La date commence le mois de janvier l'an 2022. Mamadi n'a pas dit. Ils n'ont pas parlé. Quand les émissaires sont partis encore, la délégation qui vient de quitter en Guinée, savent très bien que Mamadi a reçu le courrier là de 24 mois. Donc dès que la délégation là ont quitté, leur bureau, Mamadi et leur clan ont changé la date en disant que les 24 mois là commencent en janvier l'an 2023. Non, dans le courrier c'est l'an 2022. C'est l'an 2022, Mamadi, la CDAO a la copie. C'est moi-même, j'ai été la première à sortir, expliquer la réalité des choses que tu cachais. Tu as reçu le collier là, ça fait combien de temps le courrier là? Donc c'est vous-même qui a changé. Est-ce que la CDAO a osé à dire la date là? Parce que la CDAO connaît le danger. La CDAO connaît l'impact qui sortira derrière ça. Le Tchad a perdu combien de vies comme ça à cause de ça là? Vous pensez que il y a le procès de 28 septembre, 500 Guinéens sont morts dans ça. On ne parle que 150 et quelques. La CDAO va vous laisser encore voir les Guinéens tomber dans leur sang. Oh my God, Mamadi, you better do what you're supposed to do. Yeah. Yeah. Stop playing game. Donc, CDAO ne peut pas venir vous donner 24 mois. Est-ce que CDAO même a osé décrire ça? Parce qu'ils savent l'inconvénient de ça là. Ils connaissent que le peuple ne va pas se laisser avec toi, Mamadi.
faire le pays comme tu le veux, ça ne marchera pas. Les quelques mois là, janvier jusqu'à septembre, jusqu'à décembre, ils ont écoulé ça sans l'avis du peuple guinéen. Maintenant, la date qu'on t'a donnée de janvier 22, d'organiser dans les 24 mois là, vous pensez que la CEDEAO peut s'amuser à la Guinée comme ça là? Ça ne marchera pas. Donc, on a créé qui date coup d'état tout là-bas, CEDEAO a créé 6 mois. Na 6 mois, il faut faire le 5 septembre, na mena na ma bourou, fifi, CEDEAO na courrier na samba mamadi ma 24 mois, na 24 mois date, na folo au mois de janvier, na ma janvier l'an 2022. Mamadi do ko na nanga na nanga ki han, a falu ka be ki ke fu no kiri. Na courrier na yi, courrier to so mine ne na fala, courrier to so mine ne na fala. Nana bumine na mamadi non di fala la Guinée kebe, ibar courrier ma sato. La Guinée élection d'Aminani, date mendini mamadi ma 24 mois, 24 mois au d'Aminani, mois de janvier, l'an 2022, là. L'an 2022, il a reçu le courrier là, il a mis dans le tiroir. Quand la délégation de CEDEAO ont quitté, eux, ils ont falsifié 2 à 3. Donc, elle a 2 ou les bonnes, l'an 2022, coco. Truqué, coco, l'an 2023, dit. Non. La CEDEAO t'a bien donné 24 mois. Ça commence en mois de janvier. Janvier l'an 2022, ce n'est pas l'an 2023. Non. Si tu as même qu'au date CEDEAO ok la Guinée, où il y a un moment d'organiser l'élection, date l'an 2022, janvier l'an 2022, il y a un ou de élection présidentielle ko odo be soudi bi fala kanu yewtude tuma wotuma mimmi yalte minni he mamadi ida jogi dat ko lebbi nogay e nay bi okima joni mo jodi mo fanku put ha o lewru jelu yani joni ko lebbi e ko lebbi jelu luti joni yo olé bi nogay e nay timmo. Donc na l'an 2023 de CEDEAO joni ko l'an 2022 CEDEAO okki la Guinée. La date fouteto l'an 2022 janvier l'an 2022 o date fouti bi fanko put bi soudi papier ko no CEDEAO kan andi ko bi yewti ko bi windi kandire papi ko dundo yewtere ndundo mi jogi hande yo mi jonno population éclaircissement donc nga kirenge gi ma segni nan nan kha ya pa ube CEDEAO gi nan fana kay be mois de janvier l'an 2022 la Guinée a transition a folo ko nan kuy comme ne bara sima septembre xamna décembre musse se fi xé fala ina ko bilim fi na 2 ans fi yema pe mamadi man no mana en nam fanna bi na didi atanan kereng be na Guinée re CEDEAO nan be wo wonira igbe mu nanara si vous écoutez très bien ce que le président Ambalo a dit vous pouvez tirer leçon sur ça là donc mamadi ne peut pas nous faire comme un ballon il joue comme il le veut. Non, ça ne marchera pas, Mamadi. Tu as 11 ans. Il y a 11 mois qui te restent. Il y a 11 mois. Donc, l'ensemble qui a été, tu n'as aucune force de donner, proposer quelque chose. Toi, tu n'es rien devant nous pour nous proposer quelque chose, l'ensemble qui a été. Un voleur comme toi, le terrain que Mamadi a eu à Montréal là-bas, l'Indou là, c'est toi qui as fait rentrer l'Indou là en Guinée à cause des bus Tata là. Si les fonctionnaires se rappellent, les bus Tata qui sont rentrés en Guinée là, les bus Briouet là, c'est toi et ce Indou là qui ont fait le business là. Yeah, c'est le même bandit Indou qui a donné le terrain de notre de M. Fadiga à Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, Lansana Kouyaté, tu dois même répondre à l'appel dans le procès de 28 septembre parce que tu as payé $100,000
pour que tout me tire sur Dadis. Tu l'as fait, tu as cotisé, Seroba a cotisé, Kumara a cotisé. Vous connaissez, Papa Koli a cotisé. Pourquoi Papa Koli a dit qu'il a laissé 20 millions de dollars dans son tiroir? C'était pour qui? C'était pour qui? C'était pour qui? Donc, sur l'ensemble Kouyaté, tu n'as aucune valeur pour nous dire que c'est toi qui as donné la date là. Tu es qui pour nous donner? Tu n'es pas CEDEAO. En tant qu'un fonctionnaire international, toi, tu as quitté. On ne t'a même pas invité à la Nations Unies pour être un simple secrétaire. Parce que tu n'es plus crédible. Grâce à toi, les Américains sont tombés dans leur sang. En Éthiopie, c'est toi qui as organisé ça. L'Ansana Kouyaté. Donc, toi, aucune de tes propositions ne passera en Guinée. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien, donc ferme ta bouche, tu ne peux rien. Et si tu comptes que tu seras président, tu ne seras pas président en Guinée. Ça va chauffer, mais ça ne marchera pas. Tu seras dessus, l'ensemble piaté. Donc c'est ce que j'ai à vous dire. Alors, on kouye bahéri, alors, kankan yabou, alors, on soutra. Mamadi, momi rafé, moumoua, miro, inyam mamou no mané. Imou no mané. Ina sembe na kam fari ki kana kan ñu ñela kam mara mo tangara nga ke do ko na fari na ki ko ne na na kam bi ri ngum nta ma di xame a bañi a xas la justice parce que ina ya li su ko ku di ta fi na ma donc ali ga si ga justice mo wa ma ku lu fa ku di ta ba ki da ki na kay parce que u fa ta wule ma xere di wa to ngu wa do ko ma ki ko wo procès na kan na kil ki ki procès ni mi se mang bi le mana du su ta ngu se de ya wona wo ma tu fi ne la haine ou ma tout fini mbara falo ben na preuve na na c'est au bas qu'on a tête lui le sait consciencieusement quand on prépare une manifestation dans le pays le bruit ça chauffe combien de jours avant que la date soit là avant que 28 septembre soit là ça fait combien de jours de bruit avant que les gens tombent descendent dans les rues en tant que ministre de la défense pourquoi c'est au bas qu'on a tête prend l'hélicoptère ce jour-là, lui et Papa Koli, ministre de la Défense, et puis lui, il quitte en ville, il va en forêt. Putain, laissez-nous dormir, pardon. Le procès-là, c'est un procès faux, c'est un procès de vengeance. Mais Dieu vous regarde. Le procès-là, ça ne marchera pas. Nous, on veut la vérité claire. Inch'Allah, salam alaikum.